Nous sommes en compagnie de Dominique Sépulcre pour évoquer la candidature de Louise Diane. Monsieur Sépulcre, qu'avez-vous pensé de ce début discret sur le sable la dernière fois? Ça n'a pas été très concluant, mais à sa décharge, elle avait acquis un très mauvais numéro de corde qui l'a pénalisé complètement. C'est pas une jument qui a beaucoup de vitesse, c'est une jument qui aime les pistes très souples. Mais il fallait être loin d'une course, il fallait qu'elle court ce jour-là. D'accord. Et j'espère qu'elle aura un meilleur comportement. Là, elle court à 9 jours, elle a dû bien récupérer, probablement. Oui, apparemment, tout va bien. Tout va bien, la saison s'avance, c'est un peu pour ça qu'on refait une tentative. D'accord. Elle est en 34 de valeur, maintenant? Oui, elle avait été pénalisée quand elle avait gagné dans le terrain très souple à Clairefontaine. C'est logique. Comment abordez-vous ce premier rendez-vous face à ses aînés, quand même? Oui, on n'est pas chaud bouillant, hein, j'aime autant vous le dire. On espère qu'elle aura un bon comportement. Si ça va pas, on la ramènera sur des tâches plus faciles, voire des réclamées. D'accord. Le terrain, par contre, c'est un avantage pour elle. Le terrain, il faut quand même une piste assouplie. Je pense que c'est sur cette surface qu'elle s'exprime le mieux, pas sur une surface trop rapide. Alors, bon, on a annoncé un petit peu d'eau. J'espère qu'il va pleuvoir. Là, elle a découvert un nouveau jockey, un jockey Crastus. C'est une jument qui est assez facile à découvrir. Oui, c'est une jument, elle est facile à monter, elle pose pas de problème. D'accord, bon, elle fera son mieux. Voilà, exactement.